Allez bien, aujourd'hui on se retrouve avec ce maquillage-ci. J'avais le goût de vous expliquer un petit peu ce que j'ai mis. Je l'aime vraiment, mais vraiment beaucoup. Fait que j'ai décidé de vous en parler. Puis en même temps de vous présenter des petits coups de cœur aussi que j'ai. Premièrement, sur mon visage, j'ai hydraté mon visage avec ma crème hydratante de Isabelle Ardant. J'ai de la misère avec ce mot-là. Que j'avais acheté chez Costco. Et je l'ai appliqué avec, parce que comme j'ai des ongles, je l'ai appliqué avec un pinceau, juste un petit pinceau plat comme ça, pour m'aider à bien le travailler et bien l'étendre aussi. Alors, ça c'est fait. Je me suis évidemment épilé les sourcils. Ensuite, j'ai utilisé pour le teint, trois choses. La première, c'est un cache-cerne de Maybelline, le Monster Chrome, l'ensemble correcteur de couleurs, comme ça que j'avais reçu en swap. Et là, désolé, il est dégueulasse parce que ma fille, elle s'est amusée avec un moment donné. J'ai pas pu le nettoyer comme il faut. Alors, j'ai utilisé la petite couleur au centre, qui est la couleur de ma peau. Fait que j'ai mis ça en dessous de mes cernes où il y a des boutons, évidemment. Je l'aime vraiment beaucoup. Il y a évidemment des highlighters, un vert, un jaune, deux couleurs de cache-cerne. Ben, trois en fait. Je l'aime beaucoup. Comme je dis, c'est dommage, ma fille, elle l'a comme massacré. Mais je l'aime beaucoup et je vous le recommande. Ensuite, pour poudrer le tout, ce que j'ai utilisé, c'est vraiment une poudre libre Fit Me de Maybelline, la Fit Me Poreless, dans la teinte 220 comme ça. C'est une teinte qui est colorée. Alors, qui a une teinte à l'intérieur, la même couleur que ma peau que j'applique partout. Je l'aime parce que ces temps-ci, ma peau est un petit peu plus difficile. Alors, évidemment, je ne mets pas de fond de teint ou de bébé crème parce que je me suis fait une bébé crème maison. Je ne l'applique pas parce que, honnêtement, je trouve ça trop difficile sur ma peau. Ma peau a vraiment une drôle de réaction présentement avec ça. Mais c'est vraiment les poudres Fit Me, vous savez, je vous en ai parlé souvent. C'est vraiment mes coups de cœur, que ce soit celle-ci qui est la Poreless aussi, mais la numéro 100, qui est une poudre translucide. Qu'elle est blanche. Là, désolée si vous entendez ma fille qui écoute ses émissions. Ou la poudre libre. Comme ça de Fit Me aussi, je les aime vraiment beaucoup. Je trouve que c'est des bonnes petites poudres qui coûtent presque rien, honnêtement, pour le prix. Ensuite, je tourne mon vidéo. Ensuite, non, ferme-les pas s'il te plaît, j'en ai besoin. Ensuite, tu veux ça, toi? Oui. Merci. Ensuite, pour le visage, j'ai utilisé un émetteur en stick, comme ça. Maman? Oui. T'en veux d'autres? Ici? T'en veux d'autres? Attendez, je vais donner des pinceaux à ma fille. Quoi? Et voilà. Merci. Bienvenue. Alors, c'est celui d'Annabelle, dans la teinte Lustre Chrome. C'est juste un stick blanc. Qui est quand même très, je ne sais pas si vous pouvez vraiment voir, là, il est très glowy, mais comme c'est un stick en bâton, j'ai mis une poudre par-dessus. La poudre que j'ai choisie, c'est celle-ci, c'est de la palette d'illuminateur Bronzer Blush de Mariposa, oui? Regarde que j'ai. Non, tu les gardes-tu? Oui. Merci. C'est celle-ci qui a deux blushs, deux highlights et. Désolée.
Merci. Allez, j'ai piqué le tiroir avec le rouge à lèvres à l'intérieur. Oh oui! Je sais pas que j'ai. Tu sais que tu me déranges dans mon vidéo, hein? Non, mais. Désolée. Ah, c'est les joies de la vie! Alors, c'est ce que j'ai utilisé. Je l'ai reçu en cadeau. Et je l'avais jamais testé celle-là. Ben, je l'avais jamais eu, en fait. Alors, ce que j'ai utilisé, c'est bien sûr le petit genre de highlight comme ça. Par-dessus mon stick. Et le blush, je suis allée vraiment mollo parce que je trouvais qu'il était très pigmenté. Puis, je sais pas si vous voyez, là, il est déjà assez... tu sais, quand je le... Ben là, ça paraît pire à la caméra que quand je le regarde. Mais il est très rouge. Alors, j'ai pris celui-ci. Qui est juste un petit genre de corail. Mais comme vous voyez, il est très, très... C'est ce qui est fun de Mariposa, pour vrai, c'est une gamme qui est quand même... abordable et on retrouve ça pas juste au Dollarama mais bien sûr partout partout où ils vendent du maquillage à petit prix nous à l'entrepôt en folie on en a et comme vous pouvez voir c'est quand même très pigmenté fait que pour vrai faut y aller très mollo sur les pinceaux. C'est ce que j'ai utilisé pour le teint. Ensuite, avec un papier mouchoir que j'ai plié en quatre, je me suis fait un petit truc comme ça pour mettre mes ombres à paupières. Et la palette que j'ai choisie pour cette semaine, c'est une palette que j'avais oublié d'utiliser. C'est toujours de Maybelline. Et c'est la, la Bourgogne comme ça. Alors, je vais la montrer. Alors, je trouve que les couleurs sont quand même vraiment belles. C'est sûr que ça peut faire peur aux gens, mais c'est quand même, ça se travaille quand même assez bien. Alors, ce que j'ai utilisé premièrement, j'ai pris le petit brun chocolaté ici, que j'ai blendé dans le creux avec mon pinceau éparti, mais avec un pinceau pour le creux. Et ensuite, par-dessus, j'ai mis un petit peu, à peine un petit peu de brun plus chaud que j'ai vu mélanger les deux ensemble. Je veux pas que non! Je... Merci. Pourquoi? Parce que là, t'en as assez. Merci, bye! Je veux filmer mon affaire. Je veux quoi? Et ensuite, j'ai pris le petit genre de rouge ici, Bourgogne. Que j'ai mis dans le creux aussi. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir le creux. Je pourrais peut-être même vous zoomer un petit peu. Alors, voilà. Ça fait juste un bel petit effet un peu rouge, un peu... juste pour vous dire. Et j'ai pris... ces trois couleurs-là de cette palette-là, mais si vous avez des couleurs similaires d'une palette quelconque que vous aviez, que vous aimez, vous pouvez utiliser cette palette-là. Ensuite, j'ai pris une autre palette oubliée de mes achats. C'est celle-ci, c'est la Studio... attends, je dis la Studio, là, mais c'est la Eye Studio, comme ça. Maman, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, maman? Oh! Toi, qu'est-ce que tu fais? Je joue avec le péché. Ben oui, hein. J'ai vu le mec. Alors, c'est donc, j'ai utilisé cette palette-là. La couleur que j'ai utilisée, c'est le genre de petit jaune ici que j'ai mis sur toute la paupière mobile. Et avant, j'ai appliqué aussi une base très importante. Non, Marie-Flan, non! Oh, désolée, j'espère que je vais pouvoir finir. Alors, j'ai utilisé la base de Wet n Wild, la Photo Focus, un après à ombre à paupières. Je l'aime vraiment beaucoup, cette ombre-là.
Fait que j'ai mis ça avant tout le maquillage. Et comme je disais, j'ai utilisé la petite couleur jaune partout sur la paupière mobile. Et au coin externe et pour en haut du sourcil, j'ai pris le petit blanc là-dessus. Au ras des cils, j'ai mis le bourgogne et le brun plus foncé en dessous. Et au coin externe, j'ai mis le petit blanc tout simplement. Ça, c'est pour ça. Ensuite, j'ai appliqué dans ma muqueuse le crayon comme ça. Sauf si c'est un truc que j'avais oublié dans mes tiroirs. C'est ce que j'essaie de sortir un peu plus mes cosmétiques que j'oublie. C'est de New York Color. C'est un crayon comme ça. Mais je vais vous avouer honnêtement, je trouve que comme ça, il est vraiment beau. Mais honnêtement, je crois pas me racheter ces crayons-là. Premièrement, vu la grandeur du crayon, hein, on en a pour un bon bout de temps. Mais par contre, j'aime pas ça dans la muqueuse parce que je trouve qu'il est sec un peu. Il fait des beaux traits. Comme vous pouvez voir, il fait vraiment des très beaux traits. T'sais, si tu veux te faire un trait d'eyeliner avant de mettre ton eyeliner pour te pratiquer, je trouve qu'il va super bien. Mais dans la muqueuse du haut et du bas, je trouve qu'il est quand même assez dur à travailler. T'sais. Il y en a encore, mais c'est vraiment pas facile. Ensuite, moi, j'ai de la difficulté avec l'eyeliner. Mais j'ai décidé en 2019 d'en mettre plus souvent parce que je trouve ça très beau. Et je crois que je l'ai réussi. C'est sûr qu'il est encore un peu croche et tout ça, mais pour vrai, je trouve ça magnifique. Je trouve que ça fait vraiment des beaux yeux, un beau trait d'eyeliner. Et celui que j'ai utilisé, parce que j'en ai plusieurs, c'est de L'Oréal Paris, le Voluminous Liner, comme ça, en feutre. Alors, une pointe de feutre. Il se travaille très bien. Pour vrai, il se travaille vraiment bien. C'est un bon liner. Il se travaille très bien, il est facile. Pour ceux qui sont comme moi, débutants, il y a aussi les eyeliner, je vais vous en montrer un là, en pot comme ça. Si vous êtes plus facile de vous faire des traits d'eyeliner avec un pinceau, peut-être prendre un pinceau si vous aimez mieux. Moi, je suis plus habile avec ça qu'avec le eyeliner. Ah! Je sais pas si vous avez des enfants, vous, à la maison, mais si oui. Elle est cute. Mais Moses. C'est ça. Moi, j'ai plus de facilité avec ça qu'avec le eyeliner en feutre ou en crayon ou en roulette ou en ce que vous voulez. Mais quand même, j'ai fait le truc que j'ai vu, c'est-à-dire prendre le eyeliner et le coucher vraiment sur ta paupière et suivre ouvert aussi pour faire vraiment et faire un point au niveau de ta forme et venir faire le trait. Et comme j'ai fait mon ras de cils avec un petit. Là, je ne l'ai pas parce que ma fille est partie avec. Mais avec un petit pinceau, tu sais, qu'on peut faire les cils. Je vais vous en montrer un autre exemple. Là. Un petit pinceau comme ça. Juste se faire une ligne connecte, si on peut dire, avec notre première couleur. Et ça m'a aidé à faire vraiment la wing pour mon eyeliner. Fait que oui, je l'aime vraiment beaucoup. Moi, à date, j'ai deux volumes, j'ai deux L'Oréal Paris, j'ai du Mariposa dans les eyeliner, j'en ai tout plein de Maybelline et tout ça. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Lui, je trouve qu'il est quand même très noir et vraiment, je suis allée épaissir mon trait et mon eyeliner peu à peu, tranquillement, parce que je voulais pas quand même exagérer et être obligée de recommencer au complet. Pour le mascara, j'ai eu un coup de cœur. Pour vrai, il fait des beaux cils. Je vais vous le montrer de plus près. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il fait vraiment, mais vraiment de très beaux cils. Vraiment des cils, je vous dirais, style faux cils presque.
Puis en même temps, vous allez voir mieux le maquillage en question. Il fait vraiment, vraiment des faux cils. Et là, désolé, j'ai un petit bouton ici. C'est celui-ci. J'en avais beaucoup entendu parler de le Voluminous Lash Paradise. Paradise. Je sais pas trop comment ça se dit. Mais le rose comme ça. Sauf qu'ils ont sorti dernièrement un primer blanc qu'on met en premier lieu. Comme ça. Et après, on applique notre mascara. J'en ai mis deux couches pour faire ceci. Honnêtement, je l'aime vraiment. Oui, j'ai un petit. C'est ça que je disais, un petit bouton ici. Je l'aime vraiment, mais vraiment, mais vraiment beaucoup, les deux ensemble. Je sais qu'on peut encore le retrouver en paquet de deux comme ça dans toutes les pharmacies. C'est un ensemble cadeau. Alors, si vous voyez, procurez-vous-le. Moi, j'en ai un en backup, mais honnêtement, je les aime beaucoup. Et moi, les mascaras, je les finis très vite parce que je me maquille tous les jours. Alors, même si je mets rien d'autre, je vais au moins mettre du crayon noir et du mascara. Alors, je les termine assez rapidement. Mais si vous êtes quelqu'un qui se maquille pas souvent ou qui a eu le maquillage mais qui veut juste un effet faux cils, ben c'est pour vous, honnêtement. Ensuite, pour les lèvres. Ah, pour les lèvres, j'ai utilisé un crayon que je ne sais plus où il est parce que je ne sais pas si. Ah, oh, oui. C'est celui-ci, c'est un crayon de gouache. C'est une marque que je ne connaissais pas vraiment. C'est dans la teinte 03 Cardinal Red Rouge, en fait. Il est très, très crémeux, je vous avouerai. Sur les lèvres. J'ai mis ça en premier parce que j'ai pas tant de crayons à lèvres, moi, dans ma collection. Alors, j'essaie de prendre des couleurs qui sont nude ou qui peuvent se mélanger avec d'autres couleurs. Alors, j'ai pris ça. J'ai dessiné un peu la forme de mes lèvres que je souhaitais. Et j'ai mis comme rouge à lèvres celui-ci de Maybelline, le Superstar Matte Ink dans la teinte 80, qui est juste un. Je vais vous le montrer à côté du rouge à lèvres. Ben à côté du crayon à lèvres, en fait. Là, désolée, il y a plein de swatch là, mais qui est ici. Alors, je trouve qu'ils se mélangeaient bien les deux ensemble. Et par-dessus, j'ai mis un rouge à lèvres comme ça parce que j'ai les lèvres très secs. Et les rouges à lèvres comme ça, je les aime vraiment beaucoup. Mais ils sont mats. Et pour vrai, ils assèchent beaucoup les lèvres quand on a les lèvres très secs. Alors, par-dessus, j'ai mis un petit rouge à lèvres comme ça de Mariposa. Qui n'a pas de nom, qui n'a pas de. Qu'il n'y a pas de couleur en tant que telle. C'est juste un petit genre de. Tu sais, il a l'air très foncé comme ça, mais pour vrai, il n'est pas tant. Fait que j'ai fait un mélange des trois, du crayon et du rouge à lèvres et celui-ci. Fait que ça a donné ça. Je suis quand même satisfaite, moins les boutons qui m'ont sorti. Pour les sourcils, ben, ce que j'ai fait, c'est tout simplement, j'ai passé parce que j'ai oublié de le dire tantôt, mais j'ai passé un gel teinté dedans de Annabelle. C'était tout. Mais je veux vous parler et vous souhaiter joyeuses et heureuses années à 2019. Si vous ne me connaissez pas, j'espère que vous allez aimer mes vidéos. Nous, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Pardon. Désolée pour ma fille. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, j'ai une petite fille de 3 ans. Alors, elle bouge, elle adore le make-up et elle adore la caméra. Alors, moi, je vous fais des gros bisous. À très bientôt. Bye bye tout le monde.